Salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et qui remet le chrétien sur la foi. J'ai avec moi le pasteur Isaac et le pasteur Darius. Bonjour, bonjour pasteur. Apôtre. Bonjour. Très bien, on revient là avec un thème mais qui va faire du bien aux téléspectateurs. Parce qu'on va parler de la force intérieure. Tout à fait. Effectivement, c'est un thème extrêmement important. Et depuis là, vraiment, je te remercie, apôtre, parce que là, on a quand même des thèmes assez... assez centraux qui concernent la vie du chrétien de tous les jours. Donc, c'est vraiment un thème, je pense, très conséquent, Amen. Très important. C'est si vraiment, il fait vraiment partie de la connaissance, comme on dit, les messages, la croissance directe, La croissance directe, la croissance directe. Oui. S'ils nous écoutent tout le temps, pasteur Darius, ils vont grandir. Non, c'est sûr qu'ils vont grandir parce qu'on partage vraiment beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit pour les leaders, pour les pasteurs, pour les chrétiens, vraiment pour tout type de personnes. Encore une fois, merci pour l'opportunité qu'ils nous donnent de participer à cette émission. Donc, je pense vraiment que le thème de la force intérieure, je pense que c'est un thème qui est nécessaire parce que beaucoup de personnes se concentrent sur les choses liées peut-être à la prière seulement, ou peut-être à l'esprit et comprennent pas qu'il y a une force intérieure aussi qu'il faut avoir, qu'il faut joindre aussi à la force de notre esprit. Amen. Ok, très bien. On va commencer par définir la force intérieure. Bon, il y a, pour moi, il y a deux types de force intérieure. Il y a la force mentale et la force spirituelle. Mais pendant ces émissions, on va parler de la force mentale, en fait. Cette chose-là que les païens possèdent, certains païens possèdent aussi la force mentale. Par exemple, pour être politicien, il faut vraiment beaucoup de force mentale. Et il y a une autre phase, je pense que les émissions qui suivront, on parlera de la force intérieure de l'esprit. Et bon, de temps en temps, on fera allusion, mais là, on va parler de la force intérieure mentale, pasteur. Tout à fait. Je pense que, comme tu viens de le dire, c'est extrêmement important d'avoir la force mentale. C'est vrai, quand on parle de la force mentale, on est vraiment dans la dimension de l'âme. C'est ça. Et il faut vraiment dire à ceux qui nous regardent que l'âme est ce facteur-là qui va nous délivrer notre futur. C'est vrai. Comme on l'a dit, Dieu peut nous promettre, Dieu peut nous prédire, promettre un grand futur, une grande destinée. Et dans l'esprit, dans le monde spirituel, mais l'âme va être ce facteur-là qui va nous permettre de rentrer pleinement dans cette destinée. Donc c'est pour ça que ce thème est extrêmement important. Extrêmement important, le Extrêmement thème, important. Ouais. C'est vrai que quand on parle de la force mentale, c'est vraiment l'âme. Et l'âme fait partie des sujets qui sont les moins compris aujourd'hui dans la vie chrétienne, dans la chrétienté. Parce qu'on n'en parle pas énormément, pourtant c'est le principal. Le Seigneur est quand même venu sauver nos âmes. Donc c'est que l'âme, c'est le thème principal en fait de la vie chrétienne. Parce que celui qui arrive à maîtriser son âme arrivera, comme disait le pasteur Isaac, à avoir un futur meilleur en fait. Donc je pense que c'est vraiment important de réussir à comprendre comment l'âme fonctionne et surtout comment fortifier son mental, en fait. Pendant cette série, on va montrer aux téléspectateurs comment développer une mentalité de champion. Et il y a des gens, ce qu'on va vous dire là, il y a des gens qui payent des séminaires, pour des séminaires de motivation personnelle, pour se remotiver, pour trouver des raisons, donner des arguments à leur âme de continuer à combattre le combat qu'ils sont en train de combattre. C'est vrai, j'aime beaucoup le mot que tu as utilisé, donner des arguments à leur âme. Parce qu'il faut comprendre que notre âme a besoin d'arguments sur lesquels il va se baser pour pouvoir aller dans une direction plutôt qu'une autre. Sachant que dans notre âme, c'est là aussi où va se trouver la volonté. C'est ça. Donc c'est là où on va pouvoir aussi faire certains choix. Donc à partir du moment où nous avons suffisamment d'arguments à donner à notre âme, nous pouvons orienter notre âme vers une certaine direction. Parce que notre âme est soumise à nos choix. C'est nous qui décidons de quel côté nous allons l'orienter. Mais donc, à partir du moment où nous comprenons ça, où nous avons la capacité d'orienter notre âme là où on veut, en réalité, c'est là où on arrivera à vivre ce qu'on veut vivre et avoir la vie qu'on veut. Parce que c'est nous qui choisissons la vie que nous voulons sur la base de la force que nous délivrons à notre âme. En fait. Concrètement, c'est quoi avoir une mentalité de champion? C'est quoi avoir une force intérieure mentale? Concrètement, c'est quoi pour vous, en fait? En fait, l'âme, c'est vraiment avoir, comment dire ça? On peut définir ça vraiment de plusieurs façons. Et tu l'as dit, pour revenir un peu à ce que tu as dit en amont, c'est que les gens payent dans le monde pour comprendre. Je peux même dire la nature de l'âme, comment l'âme fonctionne. Parce que même en tant que chrétien, on peut naître de nouveau, avoir l'esprit recréé. On a l'âme, mais on ne sait pas comment l'âme fonctionne. Et comme le pasteur Darius vient de le dire, il faudrait des arguments. Les gens doivent comprendre comment l'âme fonctionne. Donc, c'est vrai qu'on peut définir la force mentale de plusieurs façons. Alors, il y a une approche définitionnelle que je vais peut-être donner. C'est arriver à voir, comment dire ça,
arriver à planter des bonnes émotions dans son subconscient. Ça, c'est vraiment une approche définitionnelle que je vais vous donner, parce qu'encore une fois, comme il vient de le dire, l'âme, nous ne sommes pas l'âme. Nous sommes esprit et nous avons une âme. Ça veut dire que c'est nous qui pouvons manager, piloter, orienter l'âme, faire en sorte que l'âme produise certains résultats. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est arriver à planter, mettre les bonnes émotions qui vont nous permettre toujours de transcender, peut-être ça s'appelle l'adversité, l'inimitié, et toutes ces choses-là qui vont nous empêcher de rentrer pleinement dans nos destinées. Parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent que, et l'apôtre, tu le dis souvent, qu'en fait, les émotions négatives ne comprennent pas peut-être que nous sommes dans un entretien d'embauche ou que nous sommes, nous sommes dans notre saison pour saboter cette saison-là. C'est pour ça qu'il est extrêmement mais effectivement, parce que les émotions négatives ne comprennent pas ils ça. Ils comprennent pas ça. Quand ces émotions sont là, elles vont se manifester. C'est pour cela qu'il est extrêmement important d'implanter des bonnes émotions. Et une fois on a ces bonnes émotions implantées, je pense qu'on va voir comment faire tout ça, et que ces bonnes émotions sont implantées, en fait, on n'a même pas besoin de réfléchir. Quel que soit ce qui va se passer, la force morale va se manifester. Parce que dans le subconscient, avec ces bonnes émotions, là, on a la possibilité de manifester, de libérer une énergie positive. On leur montrera ça. On leur montrera comment, cela. C'est vrai. J'aimerais juste pour ajouter, pour rebondir sur non, mais parce que ma question, c'était, c'est quoi avoir un mental J'espère que j'ai défini un peu. Oui, 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 tu as un peu défini. Tu as un peu défini. Pour rebondir sur ce qu'il disait, c'est que moi, je pense qu'un mental de champion, la force intérieure, ce serait en fait, c'est que cette énergie dont on a besoin pour faire les choix qu'on veut vraiment faire. Bon, par exemple, si c'est un footballeur, par exemple, qui a besoin, imaginons en plein match, il est en train de perdre 2-0 et il a besoin vraiment de se motiver, il reste peu de temps. Bah, il a besoin de force mentale, force intérieure au niveau de son âme pour qu'il puisse croire que c'est possible alors que tout lui montre que c'est pas possible. En fait. C'est cette force intérieure qui va lui donner la capacité de choisir, de croire que c'est possible. Donc pour moi, la force intérieure, c'est cette énergie qu'on reçoit ou du moins qu'on a qui nous permet de faire des choix, les choix qu'on veut faire, tout simplement. Ok, très bien, très très bien. C'est ces ressources mentales que nous avons qui vont nous permettre de libérer une énergie mentale qui nous gardera déterminés et qui nous permettra d'aller jusqu'au bout. Et c'est vraiment important d'avoir la force mentale si on veut faire des exploits dans la vie. Parce qu'en fait, la vie ne va pas nous faire des cadeaux. Voilà, et il y aura des moments où il va falloir psychologiquement être fort pour affronter certaines situations ou pour aller jusqu'au bout, en fait. De certains chemins que nous avons pris, choix aussi. Et l'apôtre, tu nous parles souvent de comme un système de pensée qui s'auto-régénère. Voilà, Je pense que, en fait, je pense que tout est lié à la manière dont on alimente notre âme. Je pense qu'on le voit tout au long de ces émissions-là. Tout est lié à la manière dont je pense que c'est surtout quand on. La force mentale, c'est simplement. Comment dire ça? Le dépôt des bonnes pensées dans notre âme. À partir du moment où nous avons ce bon dépôt-là, je pense que les bonnes pensées s'auto-régénèrent, se régénèrent face aux situations. C'est ce qui fait que, peut-être face à certaines circonstances, en fait, on a un bonheur, on est positif, on n'abandonne pas. En fait, on voit toujours la possibilité de réussir, d'avancer, ainsi de suite. Et parfois, c'est quelque chose qu'on ne force pas. Il y a quelque chose qui prend le relais au-dedans de nous, en fait. Mais du coup, c'est quoi la nécessité d'avoir un mental fort? Quoi l'importance d'avoir un mental fort? L'important, c'est que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la capacité à faire les choix qu'on veut vraiment faire. En fait. Par exemple, si on a envie de persévérer dans le choix que nous avons fait, si on a un mental fort, on va pouvoir choisir de persévérer. D'accord. Quand on a un mental faible, on voudra choisir, mais on ne pourra pas. On ne pourra pas, d'accord. On veut progresser, mais quelque chose nous en empêche. Parce que mentalement, nous ne sommes pas assez forts. Donc, quand on a un mental fort, c'est qu'on arrive à faire les choix qu'on veut véritablement faire. D'accord. Du coup, si on veut abandonner ou laisser tomber certaines choses, on sera capable de laisser tomber. Je parle par exemple si on a des mauvaises habitudes, réussir à s'abstenir de continuer. Ça aussi, ça joue au niveau de la force intérieure. Si on a fait des choix et qu'on veut aller jusqu'au bout, c'est aussi une question de mental aussi, force intérieure. Et dans la Bible, pour vous, c'est qui les personnages qui avaient la force mentale faible et ceux qui avaient la force mentale forte?
quand vous regardez dans la Bible. Je veux peut-être déjà prendre ceux qui avaient une force mentale forte. Mm-hmm. L'exemple de Joseph me revient quand même. Mm-hmm. On voit comment il va aller en prison. Amen. Vraiment la manière dont il va voir les choses. On voit bien que quand on a une force mentale face aux situations, en fait, on a un bon discernement, on a une bonne attitude, on l'a dit dans les émissions précédentes. On saura voir des choses un peu comme Dieu. Parce que on ne peut que mieux concevoir que quand on a la paix dans l'âme, ainsi de suite. Et Joseph, bon, on peut parler également de Daniel, et même David, plein d'autres, Moïse aussi. On voit que, par exemple, Joseph arrive en prison, il a cette force mentale-là, ça veut dire qu'il arrive en prison, il n'est pas comme les autres prisonniers, on a vu la dernière fois. Il va même s'étonner à ce qu'ils ont des bouilles, un peu des visages qui ne brillent pas, et pourtant ils sont prisonniers. Pourtant ils sont prisonniers. Mais il est étonné. Donc on voit qu'il avait une façon de concevoir. Je peux même dire que pour lui, la prison était comme une semence. Bon, on est dans cette période-là. La prison était comme une semence, je pense, l'accès aux opportunités. Parce que s'il n'était pas allé en prison, il n'allait pas rencontrer le panetier et les chansons pour arriver finalement au palais royal. Donc c'est vraiment un exemple de quelqu'un qui avait une force mentale. Moi, je veux commencer par une personne qui avait une force mentale faible, par exemple Élie. Élie, oui, le prophète Élie. Le prophète Élie, il va se retrouver à un moment donné, il est pourchassé par, comment ça s'appelle déjà ? Jézabel. Jézabel, voilà. Elle s'appelle Jézabel, la femme là. Oh, comment elle s'appelle encore ? On a fait les courses ensemble. Comment ? Cette dame-là, Jézabel. Donc, elle cherchait à le faire tuer, mais bizarrement, Élie va fuir celui pourtant qu'on se rend compte que c'est une personne qui marche vraiment avec Dieu, qui voit vraiment la gloire de Dieu, qui arrive même à invoquer le feu, qui va consumer tous les prophètes de Baal. Mais pourtant, devant une femme, devant Jézabel, il a peur, il décide de fuir. Au point où il arrive à un moment donné où il dit: Seigneur, vraiment, je ne suis pas meilleur que mes pères, vraiment, je n'ai pas pu faire mieux. Il commence à se lamenter. C'est que quelque part, il avait une force intérieure assez faible quand même. Et il va décider vraiment de. Il va préférer partir que d'aller au bout de sa mission. Donc, là, par exemple, une personne qui a une force... C'est là où, en fait, les téléspectateurs doivent comprendre l'intérêt de notre thème aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui avait une forte onction comme Élie, la Bible dit quand même qu'il a invoqué le feu du ciel et le feu a consumé. Vous comprenez l'Holocauste qui était là. En fait, il pouvait faire amazing things, des choses incroyables et extraordinaires, incroyables. Ce garçon était vraiment, il était gifted, il avait vraiment des dons. Vraiment des dons, l'onction de Dieu était vraiment sur lui. Mais le réceptacle de l'onction n'était pas là. Le caractère. Et la mentalité forte se développe dans le caractère. Et c'est ça qui se passe. Vous pouvez avoir une forte onction, des puissants dons. Si vous n'avez pas une mentalité forte, vous pouvez fuir en face de Jézabel et interrompre votre destinée. Donc aujourd'hui, on doit garder une mentalité forte. C'est très important. Je me rends même compte sans vouloir tout couper. Là, j'ai inspiré le pasteur Isaac. Là, j'ai inspiré le pasteur Isaac. Vas-y, il va. Je vais rebondir après. Justement à Noé. Noé, c'est un monsieur qui va se retrouver là, va recevoir la parole de Dieu. Dieu va lui dire qu'il va pleuvoir. Il n'avait jamais plu avant ça. Ça veut dire que le monsieur va décider de croire en ça. Il va construire vraiment une super structure. Vraiment, on connaît la structure qu'il a construite. Et il va continuer à y croire. Il va croire qu'un jour, il va pleuvoir. C'est-à-dire qu'il fallait quand même suffisamment de force intérieure face à toutes les personnes autour, même par rapport à sa famille. Parce que la Bible ne dit pas que sa famille était de tout cœur avec lui en disant « tu as raison ». Il devait sûrement se dire « mais il y a un problème avec ce monsieur ». Mais il a quand même réussi à garder la parole du Seigneur jusqu'au bout. Exactement. Que Dieu lui a dit des choses qui ne s'étaient jamais produites. Il a décidé d'y croire et il a vu la manifestation. Donc je pense vraiment que la force intérieure va beaucoup aussi aider à la foi. Non, ça c'est ce que je voulais dire. Amen. Amen. Oui, pasteur, développe ton idée de tout à l'heure. Parce que dès que tu prononces le mot « foi », je suis là. Je voulais rebondir par rapport au personnage Élie. Et ça nous révèle combien de fois, on l'a dit un peu plus tôt, combien de fois beaucoup de personnes ne savent pas manager leur âme, ne savent pas comment l'âme fonctionne. C'est ça. Et on le voit vraiment avec Élie qui pouvait invoquer le feu, mais vraiment un grand prophète quand même. Un grand prophète. Voit que comme s'il ne comprenait pas comment l'âme fonctionne, ou bien il manageait mal son âme. C'est ça. Et on vient de le voir comment il va parler. Peut-être qu'on le voit tout au long un peu de cette émission. Et le livre de Proverbes nous en parle. Parfois,
on peut avoir une âme, on va dire, une mentalité forte, mais affaiblir finalement son âme. On le voit avec Élie, c'est surtout ce qu'il va dire sur lui-même. Je pense qu'il va l'affaiblir. Il va dire qu'il n'est pas mieux que ses pères. On va voir qu'il est négatif. Il est négatif. Et on verra peut-être tout au long comment le livre de Proverbe insiste beaucoup comment il est important de garder sa langue, garder sa bouche. Il va même dire que quand on ne garde pas sa bouche et sa langue, en fait, on ne préserve pas son âme des angoisses. Donc, on voit qu'Élie, c'était un grand prophète. Il était gifted, il avait des dons. Mais on a l'impression qu'il ne comprenait pas comment manager son âme. Mais tu vois, pasteur, beaucoup d'hommes de Dieu comprennent l'onction. Hein? Tout à fait. Ils comprennent les dons. Parfois, ils comprennent même la puissance surnaturelle de Dieu. Amen. Comment est-ce qu'elle peut opérer en quelqu'un et faire de quelqu'un ordinaire, quelqu'un d'extraordinaire, amen, en fait. Amen, amen. Ils peuvent comprendre ça. Et quand l'onction descend sur eux, ils vont être remplis d'une certaine hardiesse. Amen, amen, parce qu'ils savent, en fait, que quand ce truc est là, ils deviennent surhumain en fait. Amen, amen. Mais il y a aussi quand l'onction part en fait. Il faut manager ça. Tout à fait. Parce que avant que l'onction ne vienne même, qu'est-ce qui fait venir l'onction en fait? C'est la bonne attitude. C'est la bonne attitude. Si tu as bien managé ton âme en fait. Amen, c'est ce que amen, tu vois. Amen. Donc, Élie se retrouve, l'onction va être là, il va avoir l'assurance, il va invoquer le feu va descendre, il va faire des exploits. Après, bon, il se retrouve. Un simple homme, nous tous, on connaît comment l'onction fait. Hein, l'onction, la puissance de Dieu, celle qu'on ressent dans notre chair, elle ne reste pas manifeste de façon permanente dans notre chair. Elle reste dans notre esprit, elle est là potentiellement, mais elle ne va pas rester de façon permanente constamment, en fait. Vous vous souvenez? Donc, quand cette onction-là nous quitte, en griffe, elle ne nous quitte pas, mais quand elle diminue, l'intensité baisse. Voilà, quand l'intensité baisse, parfois on a l'impression que notre humanité reprend le dessus. C'est là où si on n'a pas éduqué notre âme à se comporter comme la parole de Dieu dit, sérieusement, on peut avoir fait aujourd'hui des exploits sous l'onction et puis faire des choses complètement folles sans onction, tout en fait. Mais vraiment, l'apôtre, l'exemple d'Élie est vraiment, c'est vraiment un exemple, c'est assez remarquable. On voit vraiment l'urgence, vraiment, je dis, pour ceux qui nous regardent, l'urgence de comprendre vraiment comment l'âme fonctionne. C'est ça. Et l'important de bien manager son âme. On voit quand même ce monsieur-là. Ouais. Je me rappelle que la Bible nous dit qu'il jeûnait et que il était nourri par des anges à un moment. Donc, quand même, on voit qu'on peut vivre des expériences. Mais parce qu'on ne comprend pas comment l'âme fonctionne, ben peut-être parce vivre des travers également spirituels. Et c'est vraiment ça le cas d'Élie. Et Dieu nous rend, il nous dit que nous sommes responsables du renouvellement de l'intelligence et toutes ces choses-là. D'ailleurs, il va nous dire c'est par là que la transformation passe. C'est ça. Ça dit c'est notre responsabilité. Il peut nous donner des dons, mais c'est notre responsabilité de transformer, de renouveler notre âme. Ouais. Et puis bon. Il y a un très bon livre que tu m'avais offert. Bon, il y a vraiment, il y a quelque chose que le monsieur va dire. Non, mais c'est surtout ce qui est important. Il va vraiment nous dire qu'en fait, ce qui fait le caractère, c'est, je pense qu'il va parler de l'âme, la connexion entre l'âme et le cerveau, surtout le cerveau et la moelle épinière. Il va dire, c'est vraiment là que l'âme, le caractère s'exprime. Donc, bon. Durant peut-être cette émission, on aura peut-être aussi parler même comment manager son cerveau finalement. Ouais, finalement, donc, finalement. On voit quand même qu'il y a un lien entre le mental. Dont le prophète Élie quitte la terre, c'est vrai qu'il a été transformé par des chars de feu. Mais est-ce qu'on peut dire que sa mission était terminée? Est-ce qu'on peut vraiment dire que non, sa mission était terminée? Moi, je ne pense pas, vu que la parole de Dieu va même dire, en fait, que l'esprit d'Élie va revenir. Va revenir. Ça veut dire que... Ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'il y a... il n'avait pas fini, en fait. Et c'est ça, les conséquences, lorsqu'on n'a pas une mentalité forte, en fait. C'est qu'on peut... Voilà, on peut abandonner. Certains se suicident même. Voilà, c'est que je pense vraiment que c'est vraiment important de comprendre, tu l'as souligné tout à l'heure, apôtre, de comprendre que l'onction ne suffit pas. J'ai envie de dire même, vaut mieux pour toi ne pas avoir beaucoup d'onction si tu n'as pas géré ton âme. Parce que cette onction va t'exposer et risquerait même d'attirer, de précipiter vers le ciel. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important de comprendre que la gestion de son âme. Et d'ailleurs, je me rends compte que c'est même plus dur de gérer son âme quand l'onction a augmenté dans sa vie. Ah oui, c'est très dur, ça. Et quand l'onction n'a pas augmenté. Pourquoi? Parce qu'au début, on n'a pas d'exigence envers les gens. On n'a pas, on n'est pas forcément sous des projecteurs. Donc, du coup, on peut travailler ça, travailler son âme. On a le temps de faire des erreurs. On a le temps de se remettre en question. On a le temps d'accepter les remarques. Alors que quand on commence à devenir célèbre, quand on commence à devenir une figure, c'est beaucoup plus dur, ou du moins moins facile d'accepter les remarques, de se faire corriger en public, etc.
Et donc, je pense que c'est vraiment important que nous puissions mettre un point d'honneur, je parle vraiment à tous ceux qui nous regardent, de mettre un point d'honneur sur la gestion de notre âme et de notre caractère. Comme tu dis souvent, le caractère, c'est le réceptacle de l'onction. Donc, si le réceptacle est troué, s'il est brisé, s'il n'est pas bon, l'onction ne sera pas bien retenue. C'est ça. Et ça risquerait de faire des dégâts. La Bible va... L'âme, en fait, on peut pas... La Bible va dire quand même, bien-aimé, je souhaite que tu prospères, tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. On voit quand même, l'âme est ce... Pour les footballeurs, l'âme est quand même ce passeur décisif avant notre succès, avant notre réussite, et même pour notre longévité. La longévité que Dieu nous promet, encore une fois, ça, la longévité a son origine dans l'esprit, mais c'est l'âme qui va être ce passeur décisif-là pour vivre cette longévité. La majorité du temps, j'ai remarqué que les gens qui vivent dans la foi ou qui vivent par la foi et qui ont vraiment un esprit de foi ont une très bonne mentalité. Ils ont vraiment la force de mentale, en fait. Et c'est vrai que la force mentale va favoriser la manifestation de la foi. La foi ne peut pas correctement se manifester dans une mentalité faible. Et c'est là où on comprend que avoir une mentalité forte, une force intérieure forte, une force intérieure forte, une mentalité, une mentalité forte va vous permettre, va favoriser la manifestation de la foi. On va parler même de Jésus en disant « homme de douleur habitué à la souffrance ». Ça, c'est quelqu'un qui a une bonne mentalité, excellente, qui a décidé de faire de la souffrance, de la douleur, quelque chose de banal, qui ne va plus le bouger, qui ne va plus déterminer ses choix. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il doit faire, qu'il est mal ou pas, qu'il souffre ou pas. Il sait faire la différence. Et du coup, il fait la différence entre les choix de ses émotions et les choix nécessaires de son esprit, j'ai envie de dire. C'est ça. Et donc, je pense qu'à partir de là, si des fois, il faut manifester la foi, il faut avoir une attitude courageuse dans des situations difficiles, et qu'on n'a pas cette force intérieure, on risquerait de passer à côté de la foi. C'est ça. Alors que peut-être que le Seigneur souhaitait nous délivrer par notre foi, par les manifestations de notre foi. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment important de développer la force intérieure pour déployer la foi au maximum. Beaucoup de chrétiens disent même, pas les chrétiens, beaucoup de païens même disent que le succès est lié à notre force mentale, à la façon dont on manage notre mental et à la façon dont on est fort mentalement. D'ailleurs même, tu ne peux pas avoir des pensées positives et des déclarations positives si tu n'as pas une mentalité forte, en fait. C'est impossible. Les faibles ne font pas ça. Et nous tous, nous savons comment la déclaration des choses positives va amener à faire des exploits, en fait, dans la vie. Donc, si certains païens même arrivent à faire des exploits parce qu'ils comprennent que c'est important que mentalement, ils soient forts, c'est important qu'ils ont une mentalité de champion, de jusqu'au boutiste, de déterminé. Si certains païens comprennent ça, nous les chrétiens qui avons tout, c'est important que nous puissions comprendre ça. C'est sûr, c'est sûr. Surtout que, comme tu l'as dit, apôtre, c'est-à-dire que les faibles ne peuvent pas parler positif. C'est ça. Ne peuvent pas parler victoire. C'est impossible, c'est difficile. C'est pas, en fait, c'est que c'est pas eux. Les faibles, c'est jamais, enfin, je sais pas pour vous, mais c'est jamais arrivé que je vois quelqu'un de fort, je me dis, oh là là, purée, il est faible. Parce que comme il est fort, il aurait une façon de parler, il aurait une façon de se comporter, et du coup, forcément, son nom sera fort. Ce ne sera jamais faible, en fait. Et je pense que c'est important de comprendre que, d'ailleurs, si on veut devenir du coup fort, il faut commencer à parler force. C'est ça. Comme la Bible dit, que le faible dise « je suis fort ». Donc, je pense que c'est important de comprendre que c'est la seule façon, c'est le seul boulevard que le Seigneur a prévu pour que nous puissions avoir une vie de succès. Le Seigneur Jésus ne parlait jamais faiblesse, il ne parlait jamais échec, il ne parlait que positif, que espérance. Forcément, il va forcément réussir sa vie. Mentalement, vous allez réussir à libérer même une énergie spirituelle qui va vous amener à faire des exploits. Tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec le fait d'avoir un mental toujours motivé, un mental positif et une force intérieure, en fait. Lorsque vous discutez avec les grands champions aujourd'hui, vous discutez avec Usain Bolt, c'est ça? Oui, oui. Vous discutez avec Cristiano Ronaldo, vous allez voir des gars... Ils ont des mentales de fer. Vous discutez avec Mbappé, il a un mental de fer, le petit. Vous voyez Ibrahimovic, non, il a un mental de fer. Vous voyez les hommes politiques, même ceux qui ont fait des mauvaises choses sur la terre, regardez leur mental. Regardez Hitler. Le gars en prison,
Et quand il est en prison, il écrit un livre. Il écrit un livre et regardez la mentalité du gars dans le livre. Il dit, je sortirai de la prison, je réaliserai l'anche-bouche, c'est-à-dire je vais coller l'Autriche avec l'Hongrie, la Hongrie, je vais conquérir l'Europe. Et j'ai failli dire, la Bible dit, et l'histoire et l'histoire nous montre que le gars est sorti de prison. Oui. S'il vous plaît, il a été élu démocratiquement. Bien oui. Vous voyez ça? Vous voyez ce que la force mentale peut faire? Même des personnes qui sont parfois mal intentionnées, s'ils prennent ces principes-là et mentalement ils sont forts, ils vont pouvoir faire des choses. C'est vraiment des lois. C'est des lois. Ça, c'est, la Bible nous dit que ça, c'est Proverbe qui va nous dire que, comment dire ça, celui qui a la connaissance accroît sa force. C'est important de comprendre, d'avoir la révélation du fonctionnement de l'âme. C'est extrêmement important. Comprendre que dans l'âme, il y a la mémoire, il y a l'imagination. Encore une fois, on vient de prendre tous ces personnages-là. Mais ils comprenaient comment, encore une fois, ben, j'insiste là-dessus, ils comprenaient comment l'âme fonctionnait. Ils comprenaient le fonctionnement des organes dans l'âme. Par exemple, l'imagination, bon, on l'a peut-être dit la dernière fois, comment David, face à Goliath, comment David... Il va dire, j'ai tué par exemple l'ours, j'ai tué le lion. Ça, c'est la mémoire qui fonctionne. Ouais. Ça, c'est dans l'âme, ça. Donc, il se détermine, il se fortifie avec des bons souvenirs. Donc, ça, c'est la mémoire. Ensuite, il va dire, je veux donner, il dit à Goliath, je veux donner ta tête aux oiseaux du ciel. Donc, là, ça, c'est l'imagination. Donc, il imagine, et ce qu'il imaginait, finalement, va activer l'onction et va remporter la victoire. C'est ce qui fait la force de ces footballeurs. D'ailleurs, moi, j'aime bien regarder les sportifs parce qu'il y a quand même quelque chose. J'aime bien les écouter. Peut-être après une victoire, même après une défaite, comment ils parlent. Ils sont toujours positifs. C'est ça. Ils se projettent toujours. J'ai suivi un peu, je ne sais pas, c'est le passeur gentil qui regarde un peu les playoffs. J'ai regardé un peu les playoffs, comment LeBron James et les autres, ils ont perdu. Les playoffs, c'est quoi ça? Dans le basket. Ah oui, c'est ça, c'est peut-être le pasteur gentil, voilà, parce que nous, là, moi, c'est le foot. Hein. Donc, j'ai vu comment ils ont perdu un match, je pense que c'était le cinquième match. Ils perdent le match, mais on les écoute parler, comme ils disent, ben, on va travailler, c'est pas fini, voilà. Ils relativisent, mais on voit toujours, il y a cette force mentale-là, la capacité de relativiser. Moi, je pense que c'est surtout, mais j'insiste vraiment là-dessus, connaître l'âme. Parfois, on parle beaucoup de l'esprit, mais on a besoin de connaître l'âme. On a besoin de connaître comment les organes de l'âme fonctionnent, le subconscient, l'intellect. Et d'ailleurs, beaucoup de grands chefs d'entreprise, des motivateurs et tout ça, vont dire que ce qui fait la réussite dans les entreprises, c'est le quotient émotionnel. Parce qu'intellectuellement, on peut connaître des choses. Mais si émotionnellement, les choses ne sont pas au beau fixe, ben, comme on l'a dit un peu plus tôt, les émotions se manifestent à n'importe quel. Si ce sont des émotions négatives, mais ça va nous amener hors du succès. Ouais. Donc, on voit vraiment que l'âme est importante à maîtriser. Et ça me fait, en parlant de sportifs, c'est vrai que je regarde beaucoup aussi les sportifs. Et j'avais regardé un documentaire même sur Michael Jordan et qui expliquait la mentalité du monsieur. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans une équipe Chicago Bulls, et il a décidé lui-même que par son arrivée, désormais, ils vont gagner le championnat. Ils n'avaient jamais gagné, ils ont réussi à en aligner, je crois, 3 ou 4 à suivre, alors qu'ils n'avaient jamais gagné. Et il disait, c'est parce qu'il est là que les choses vont changer. Effectivement, ça s'est passé comme il a dit. Je ne pense pas qu'il soit né de nouveau, mais c'est une mentalité, cette force intérieure de se dire, parce que je suis là, les choses vont changer. Je pense que nous tous, nous avons la capacité de décider de croire en nous-mêmes, de croire qu'il y a quelque chose de plus en nous, qu'il y a quelque chose qu'on peut proposer. Je me suis même rendu compte que c'est quelque chose qui peut être contaminant. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux communiquer ça aux autres, arriver dans une équipe où le moral est bas et réussir à faire monter le moral de l'équipe. Et on le voit même dans beaucoup de sports, un joueur qui arrive et le moral de l'équipe change. Même des fois, même tout le championnat prend un autre, change de niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui est arrivée, qui est venue avec sa mentalité et qui a communiqué ça à tout le monde. Mais de toutes les façons, les grands champions sont comme ça. Ils arrivent à changer leur atmosphère à cause de leur mentalité. Et ça va développer même une aura spéciale. La personne arrive, l'atmosphère change parce qu'on sait déjà comment elle va penser, elle va parler. Et le Seigneur Jésus était comme ça, en fait. Il était comme ça. C'était incroyable. Il arrive à un endroit.
toi. Voilà, il n'y a pas de nourriture. Mm-hmm. Au lieu de se plaindre, au lieu de machin, il dit donnez-leur vous-même à manger, en fait. Mm-hmm. Mais comment est-ce qu'ils vont faire? On est dans ce... Mais c'est quoi ça? Commence où, en fait? Attends, tu ne vois pas qu'il n'y a pas de nourriture ici? C'est quoi? Ça, c'est quelqu'un qui sait, en fait, mm-hmm. ce qu'il a en lui. Amen. Parce qu'en fait, pour développer aussi un mental fort, il faut avoir la connaissance. Bon, la connaissance de ce qu'on est. On va voir ça hein, quand mm-hmm. on va expliquer les téléspectateurs. Mais je voulais voir la mentalité un peu de Jésus, la façon mm-hmm. dont il parlait, en fait. Tout à fait. Même quand il va maudire, par exemple, le figuier. Mm-hmm. L'explication de la foi qu'il donne, ça, c'est quelqu'un qui a une bonne mentalité, amen, en fait. Amen, amen. Il ne dit pas, quand les gars sont étonnés parce qu'il a maudit le figuier, mm-hmm. il ne dit pas, c'est dur, hein, ce truc-là. Faut pas blaguer, non. Je vous apprendrai ça un autre jour. Vous ne pouvez pas encore. C'est pas... Non, c'est pas encore pour... Non. Attendez, vous allez... Non, il a pas fait comme ça. Il a dit, non, vous pouvez le faire, en fait. Il dit, ayez foi en Dieu. Il va dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Il va développer des choses, il va dire des choses qui vont, en fait, créer une atmosphère de foi et de confiance. Amen. Si tu n'as pas une bonne mentalité, que tu es un leader, mm-hmm. tu n'as pas une mentalité forte, mm-hmm. tu ne peux pas créer même une atmosphère de foi, non, en fait. Non. Mais encore une fois, il y a quand même des dénominateurs communs. On voit le Seigneur Jésus, mm-hmm. même avec les sportifs, je ne sais pas, c'est un homme qui disait ça, qu'il y avait une équipe qui avait des mauvais résultats, et mm-hmm. puis on a pris quelqu'un pour les motiver, il répétait des choses à chaque fois. Mais on voit que pour avoir une mentalité forte, en fait, ça ne s'improvise pas. Il faut comprendre l'âme, encore une fois, il faut faire des choses, mm-hmm. il faut apprendre à penser positivement mm-hmm. et à parler positivement. Mm-hmm. C'est important, on voit que Jésus, par rapport au figuier, il y a toujours une façon de penser, toujours une façon de parler. Mm-hmm. Il y a toujours la parole, mm-hmm. et le livre de Proverbes insiste là-dessus, c'est pour ça que Proverbes va dire « la mm-hmm. vie ». Au pouvoir de notre langue. C'est-à-dire, même si, pour ceux qui ont peut-être des mentalités faibles, je veux leur dire qu'il n'est pas trop tard. Il faut simplement comprendre comment renverser la tendance. Il faut apprendre à penser correctement. Comment apprendre à penser? Il faut s'exposer au bon livre. Là, nous avons de très, très bons livres. Tu es en train de spolier, là. Tu es en train de spolier la troisième émission. C'est parce qu'ils sont en train de spolier la troisième émission. Tu te rends compte? On va arriver à la troisième émission de cette série. On ne saura pas quoi dire. Parce qu'il a tout dit, il a tout spolié, tu vois. Je reviens. On est en train de montrer l'importance d'avoir une mentalité forte, une mentalité de champion. Oui. Donc, et on prend des exemples bibliques. On a vraiment cet exemple du Seigneur Jésus-Christ, mais on voit qu'il y a une façon de penser, une façon de parler. Mais encore une fois, je reviens peut-être sur l'imagination. Parce que, bon, c'est vrai que là, on va surtout... On est en train de prendre des exemples. C'est-à-dire, je suis toujours porté à vouloir leur donner déjà des outils pour... C'est ça. Je veux déjà leur donner des outils. Mais on a tellement... Bon, peut-être pour reprendre notre exemple, je veux revenir comme... Bon, encore une fois, il y a le mécanisme dedans. On aura vraiment du mal. Le pasteur Darius a parlé de Michael Jordan. Mais on voit quand même, on dit quand il était petit, son professeur disait que, je ne sais pas si sa mère, son professeur disait, il ne pouvait jamais jouer au basket. Oui, c'est vrai, c'est lui. On voit quand même qu'après, il a dit qu'il peut jouer. Encore une fois, on voit l'imagination. Bon, c'est un exemple avec le mécanisme à l'intérieur. Non, mais c'est là où c'est vrai. On voit qu'il y a l'imagination. Il se projette parce que la fonction de l'imagination, c'est arriver à se projeter, à peut-être préjouer un match avant le match, se voir déjà remporter la victoire. On voit vraiment, c'est un exemple. Moi, j'aime vraiment les sportifs. Je regarde même la boxe, j'aime pas trop, mais j'aime beaucoup la phase préparatoire, comment ils se préparent. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul va beaucoup parler dans les épîtres de Timothée. Il va beaucoup parler, il parle des soldats, il parle des sportifs. Je comprends pourquoi. Parce que ce sont des personnes, le mental, c'est important. Ils comprennent aussi comment préparer son mental. C'est sûr qu'on parle d'Ibrahimovic, tous ces sportifs-là, on pense que peut-être qu'ils sont nés, parce que ça peut. Beaucoup de gens peuvent se dire, ben tiens, eux, ils sont comme ça. Moi, je suis peut-être né avec un mental faible. Non, c'est faux. Ils ont développé. Je pense faux. Que ce sont c'est des faux. Personnes qui ont un style de vie. C'est ça. Ils ont une façon de se préparer. Et ce sont des personnes qui font des mises ouvertes et tout ça, où ils revisualisent les anciens matchs, les matchs qu'ils ont gagnés, les matchs qu'ils ont perdus. Ils parlent et tout ça. Donc, vraiment pour dire à tous ceux qui nous regardent qu'en fait, on
on ne naît pas particulièrement avec un mental c'est fort. Ça. On le développe. Faut, on le développe. On le développe. Il y a une hygiène de vie, il y a une façon d'être. Et parfois, à un moment donné, il faut un déclic. Amen. Parce amen. Que parfois, ça se joue à partir de rien du tout. Amen, amen. Je prends un exemple. Tu vas passer le bac. En fait, tu es intelligent, tu as correctement révisé. Mais parce que tu as un mental faible, tu regardes le sujet. Et pourtant, le sujet est accessible, mais tu commences à paniquer. Tu oublies tout. Comment je m'appelle? Tu rates ton bac et tu te rends compte que tu aurais pu avoir ton bac si tu avais bien managé ton mental. Tu vas passer le permis, tu es sur le point de l'avoir, tu as mis beaucoup d'argent dessus, mais tu ne sais pas manager ton mental. tu t'affaiblis pendant que tu conduis et puis tu perds ton permis. Mais vraiment, la pote, je sais pas, c'est à l'émission précédente, avant qu'on ne commence, je pense qu'on était l'autre bout, là, l'autre côté, avec le pasteur Grasse. D'ailleurs, on parlait de ça, on parlait des matières et ainsi de suite, je sais pas. On est arrivé à parler des premiers de la classe, on a souvent vu ça, mais c'est curieux, des premiers de la classe, comment au bac, ils avaient des bonnes moyens durant toute l'année, au bac, ils échouent brillamment. C'est ça. Encore une fois, on voit qu'on peut avoir un bon quotient intellectuel, on est vraiment intelligent, mais on arrive à l'examen, comme tu viens de le dire, si on stresse, à un moment, on peut échouer. Et moi, j'ai vu ça, même dans notre promotion, j'ai vu des gars qui étaient très, très bons en mathématiques, en sciences physiques, mais ils ratent le bac, mais d'office. On était étonnés. Mais simplement, ils étaient intelligents. Mais on peut être intelligent. Mais tu nous avais même donné un enseignement là-dessus. Que même si on est intelligent, si on a des bonnes ou des mauvaises émotions, mais on peut paraître tout d'un coup stupide. C'est ça. Ça, j'ai vraiment vu sur le bac. Encore une fois, on voit que dans cette force mentale, l'aspect des émotions, comment on est, est-ce qu'on est confiant, on est relax, est-ce qu'on est dans la paix. Est-ce qu'on relativise? Ça peut déterminer. J'ai vu ça à chaque fois des premiers de la classe, même dans ma promotion, mais beaucoup, ils ratent le bac d'office. Ils étaient intelligents, mais arrivés à l'examen, leur état émotionnel n'était pas au beau fixe. C'est ça. Pour c'est accompagner ça. Leur intelligence. Leur état moral n'était pas quoi à mon beau fixe? Au beau fixe. C'est une expression. Leur état moral n'était pas à mon beau fixe. Bon, on est débattu, idée fixe. Idée fixe, en fait, c'est un personnage dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je voulais parler justement en parlant des exemples des personnes qui avaient une mentalité de champion, justement. Les apôtres, à un moment donné, ils vont se retrouver, on va les frapper parce que pour le Seigneur, en fait, parce qu'ils suivaient justement la cause de l'évangile. Amen. On va les attraper, on va les taper. Mais quand on va les taper, ils vont ressortir de là avec une façon de penser qui est assez curieuse. Voilà, voilà. Ils vont se réjouir alors que leur corps leur dit qu'ils ont mal. Voilà. Mais ils vont décider de dire que c'est un bonheur pour eux. Amen. Et ils vont se réjouir et ils vont dire « Yes, on nous a frappés à cause du Seigneur Jésus. C'est quelle ça. Grâce !» Et c'est ça la mentalité de champion. C'est-à-dire de décider de prendre ce qu'il y a de bon dans la situation et de l'exalter. Amen. Tellement tu vas l'exalter qu'on aura l'impression que tu as vécu une bonne chose. On ne se rendra même pas compte que tu as vécu quelque chose de mauvais. Voici une façon de penser des champions. C'est-à-dire qu'on décide de se dire que cette situation est à mon avantage. C'est ça. Alors que d'autres personnes vont dire non, elle n'est pas à mon avantage. C'est la capacité de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Comme tu nous parles souvent de Thomas Edison, qui aura fait plusieurs expériences à un moment donné, son laboratoire va brûler. Et il va perdre tous ses travaux. Et quand on va lui demander, mais tu n'es pas inquiet, ton laboratoire a brûlé, il va dire non, j'ai découvert des façons qui ne vont plus fonctionner. C'est pas une perte, en fait. Ce qui a été brûlé, c'était des choses qui ne fonctionnaient pas. Donc c'est même une bonne chose parce que je vais repartir à zéro avec une autre façon de penser. Limite, il va même se réjouir de sa situation. Et c'est ça une mentalité de vainqueur. Et on voit la nécessité de développer. Si tu me permets. Tout à coup, tu es inspiré. Il y a tellement d'exemples. On voit encore. Il y a un monsieur qui voulait travailler avec Thomas Edison. Lui, il se focalisait déjà. Je veux travailler. Moi, il n'avait pas de boulot. Il dit je veux travailler avec Thomas Edison. C'était vraiment dans sa mentalité. Au point où Thomas Edison a fait une autre invention. Et quelque part, on dirait que ses collaborateurs ont dit non, ça ne va pas se vendre et tout ça. Et ce monsieur-là, on appelle Barnes, il avait vraiment cette mentalité-là. Il dit non, moi je veux. Il a toujours pensé qu'il va travailler avec Thomas Edison. C'est comme ça qu'il a pris le produit. Il dit moi je veux travailler, je suis volontaire, je veux vendre ce produit-là. Il a pris le produit et le produit s'est vendu. C'est comme ça
qu'il est devenu associé à Thomas Edison. Amen. Voilà encore un autre exemple, quelqu'un qui avait une mentalité forte. Amen. L'exemple des apôtres qui ont été persécutés nous montre la nécessité d'avoir une bonne mentalité. Mm-hmm. Ça veut dire alors qu'une mentalité forte, une mentalité de champion nous permet de résister aux persécutions. C'est ça. Amen, amen. Nous permet de résister aux persécutions. De mieux gérer les persécutions. De mieux gérer les persécutions. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce qu'en fait, à partir du moment où nous nous apitoyons sur notre sort, mm-hmm. nous n'allons pas tirer profit mm-hmm. de ce qu'il y a dans la persécution. Mm-hmm. Parce que c'est quand même étonnant que la persécution fait partie des bénédictions, comme on l'avait dit une fois, mm-hmm. et que le Seigneur Jésus va dire, lorsqu'il va dire que... C'est lui qui quitte père, mère, terre, il recevra Avec des persécutions. Mm-hmm. Il le cite parmi les persécutions. Il n'a pas dit, par contre, il aura des persécutions. Mm-hmm. Il a dit non, avec. Avec des persécutions. Ça veut dire que ça va ensemble. Mm-hmm. En fait. Et quelque part, je pense que, comme tu le dis souvent, les persécutions, c'est le couloir qui nous mène vers la gloire. Mm-hmm. Mais à condition qu'on réagisse de la bonne façon. La bonne façon. À condition que nous puissions avoir la bonne mentalité. Mm-hmm. Et je pense que c'est cette mentalité-là qui nous aide à tirer profit des mauvaises choses. Amen. Et en fin de compte, on aura l'impression qu'il n'y a que des choses bien qui nous arrivent. C'est ça. Parce que quand une mauvaise chose nous arrive, on se dit, mais yes, c'est une opportunité pour moi pour travailler telle ou telle chose. Donc, c'est une bénédiction pour toi. Mais quand une bénédiction aussi arrive, tu te réjouis aussi. Mm-hmm. Et du coup, te voilà en train de vivre une vie où tout est bien. C'est ça. Donc, ça fait que tu gagnes tout le temps. C'est ça. Tu développes une mentalité de champion. Exactement. En fait, celui qui a vraiment une mentalité forte, mais il a une façon de voir les choses positivement, en fait. En fait, c'est lié quand même à la connaissance. C'est lié à la connaissance. C'est lié à la connaissance. Ce qui fait une mentalité forte, c'est la connaissance qu'on a. Ben, les gens du monde, curieusement, ils ont la connaissance du fonctionnement de l'âme. Et ils savent ce qui va faire la force de l'âme. C'est vraiment la connaissance. Encore une fois, par exemple, on va encore prendre l'exemple de Joseph ou même de Daniel. Mais en fait, ils savent que parce que j'applique ces principes-là, en fait, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent m'arriver. C'est-à-dire, même quand ces choses-là arrivent avec un emballage, je dirais, négatif, ils sont convaincus qu'il n'y a que des bonnes choses qui vont leur arriver. C'est assez remarquable. On le voit, Daniel, par exemple, tout au long de quand il est à Babylone, comment quasiment des bonnes choses. Et pourtant, il y avait des défis, il y avait des obstacles. C'est ça. Mais il était convaincu. Il y a un épisode, je pense, au chapitre 9, où les autres satrapes vont faire un complot pour essayer de le stopper. Mais ils vont remarquer qu'il n'y avait pas de faute, il était tout blanc. Si on pouvait trouver une faute dans la loi de son Dieu, on allait trouver chez lui. Bon, il y a ce décret qui est voté, mais le monsieur, il repart. En plus, il avait toujours des principes. On voit comme il y a des principes qui faisaient la force de son mental. C'est ça. Donc, malgré ça, il repart à ses principes. Bon, on va parler peut-être de la force de l'esprit tout à l'heure. Mais on voit, il repart dans la prière trois fois par jour. Donc, il est toujours convaincu que des bonnes choses vont lui arriver parce qu'il comprenait des principes. Et la Bible va nous le dire que le désir du juste, c'est seulement le bien. C'est ça. Le juste, c'est qu'il n'y a que le bien qui doit m'arriver. Parce que Dieu a pour lui des projets de paix et non de malheur. Donc, en fait, son monde, c'est un monde de bonheur, c'est un monde de succès, c'est un monde de continuelle croissance, progrès. Comme la Bible nous dit dans le Proverbe 4, 18, le sentier du juste est comme lumière resplendissante. Donc, l'éclat va croissant. Donc, en fait, c'est ce qui fait cette mentalité forte. Dans mon monde, il n'y a que des bonnes choses. C'est ça. Quelles que soient les choses qui vont arriver, tout concourt à mon bien. Amen. Tout concourt à mon bien. Donc, on voit vraiment cette mentalité-là. Ça, c'est improvisé. C'est toute une préparation. C'est ça. C'est toute une connaissance qu'on injecte dans son âme, dans son subconscient. On n'en est pas avec. Il faut à un moment donné qu'il y ait un déclic. Et aujourd'hui, le déclic peut être cette émission. En fait. Amen, amen. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez avoir dans la vie si vous avez la bonne mentalité, Amen. C'est vrai. Il faut un déclic, il faut à un moment donné se dire, tiens, je vais arrêter de penser échec. Amen. Je vais arrêter de m'affaiblir, de m'apitoyer, etc. etc. Je vais maintenant développer une mentalité de champion parce que je suis un champion. C'est ça. Et j'aimerais dire, en fait, apôtre, personnellement, moi, je me suis dit, un jour, je ne saurais dire ce qui m'a poussé à avoir ce déclic, mais je me suis dit, tout ce qui m'est arrivé de mauvais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je vais essayer. Tout ce qui m'est arrivé de mauvais est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que c'est le meilleur avantage que j'ai eu. Pourquoi ? Parce que ce qui m'est arrivé m'aide à voir les choses d'une façon que personne d'autre peut voir. Parce que personne n'a vécu ce que j'ai vécu exactement comme je l'ai vécu. C'est ça. Ce qui fait que l'avantage que j'ai est unique. C'est ça. Donc, c'est à partir de là, j'ai pris
mes difficultés, les choses mauvaises qui me sont arrivées comme le meilleur avantage que je puisse avoir. Donc tout ce qui est difficile, mauvais qui m'arrive, c'est mon avantage. C'est ça. C'est forcément à mon avantage parce que ça m'aide à voir et à vivre et à voir le monde d'une façon unique. Personne d'autre ne pourra le voir comme ça. Ce qui fait que je pourrais forcément développer des solutions et des résultats que personne n'a jamais développé. Donc en réalité, nos difficultés sont notre meilleure richesse. Et ça, c'est une mentalité, je pense, que j'ai développée. Peut-être, je ne sais pas, c'est parce que j'avais eu tellement de soucis, mais je pense que c'est une mentalité de champion qui m'aide à toujours positiver. C'est-à-dire que même quand j'essaye de me dire, mais non, ce n'est pas possible, au fond de moi, quelque chose qui me dit, arrête. Tu sais que tôt ou tard, ça va fonctionner. Soit, voilà quoi. Et je pense que c'est cette mentalité. Quand ça devient une mentalité, on devient comme programmé à réussir. Et c'est une programmation vraiment. On ne peut plus penser autrement à part réussite, succès, vainqueur, toujours vainqueur. Mais je pense que la parole de Dieu renferme ce programme qui est capable de nous transformer et de nous donner la capacité de voir toujours réussite, victoire, succès, gloire, bonheur, opportunité, paix, joie, opportunité. Des choses comme ça en fait. On va vous montrer concrètement dans les prochaines émissions comment faire. La prochaine émission, ne la ratez surtout pas parce qu'on va vous montrer les caractéristiques d'une mentalité faible et les caractéristiques d'une mentalité forte pour que vous puissiez déjà vous situer. Et à la troisième émission, on va vous donner des outils pour développer une mentalité forte, une force morale qui va vous aider à faire les exploits. Si cette émission vous a béni, elle s'appelle toujours Pendule à l'heure. J'étais avec le pasteur Darius et le pasteur Isaac. Nous étions en train de parler de la force intérieure. Elle vous a béni. Vous pouvez faire un don à Évangile TV et soutenir Évangile TV en nous envoyant un message WhatsApp au +33 6 36 91 21 74 et nous allons vous dire comment nous soutenir. Donc, en tout cas, je vous dis à la prochaine émission, vous allez être bénis. Là, on a juste défriché le terrain. On va entrer en profondeur dès la prochaine émission. Je vous dis à bientôt.